ma troisième point variation de l'énergie potentielle en relation avec euh, le travail d'elle le donc on commence par le premier point notion notion de l'énergie potentielle de pesanteur parce que a plusieurs types d'énergie potentielle d'émaner la l'énergie potentielle de MNHR, Lien avec le poids point corps. Prenons la surface de la Terre. Un ardo par exemple là, il y à la surface de la Terre. Un ardo un objet un solide quelconque un solide S fois l'altitude h donc on a le point G le centre de masse du le solide S dans l'objet S là la surface de la Terre, on a l'altitude, l'altitude H. Donc l'énergie potentielle, l'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide, d'un solide, est une énergie est une énergie qu'il qu possède il y a un solide qu'il possède dans le champ de pesanteur dans le champ de pesanteur grâce le plus important grâce à sa position à Sa position par rapport à la terre, par rapport à la surface de la terre, par rapport, par rapport à la terre. Donc, l'énergie potentielle en a relation avec H, ce qu'on appelle Z, et là, l'axe des Z, des côtes Z. Donc, on a ZG, énergie potentielle de pesanteur en a relation avec Z de G est la position dielle de l'objet par rapport à la surface par rapport à la Terre. Maintenant le deuxième point les de la définition deuxième point l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur l'énergie potentielle de les les de solaires EPP par définition l'énergie potentielle d'un objet est égale m g z plus une constante avec EPP c'est l'énergie potentielle qui sera en joule la masse ici la masse qui sera dit l'objet sera en kilogramme g c'est l'intensité l'intensité de pesanteur les 48 g à peu près on travaille avec 9,81 ou l'unité c'est le newton par kilogramme on a fait attention à g elle varie selon les exercices thomas z c'est l'altitude en mètres l'altitude l'altitude de G, il y a le centre, le centre de masse de l'objet. Donc ici, c'est ZG. G. Thomas, la constante C, c'est une constante à déterminer. Donc, c'est une constante on détermine. C, c'est une constante. Constante à déterminer par. L'état de référence de l'énergie potentielle par l'état de référence. Prenons un exemple de calcul de la constante C. Nous allons faire la constante C. Comment on détermine la constante C Donc, prenons les deux figures. deux figures. Donc, l'objet qu'on va étudier voilà S. On a le plan horizontal représente la surface de la terre le plan horizontal même chose ici le plan horizontal on a tableau l'altitude هنا c'est g l'altitude ديال z g c'est z g c'est h donc la référence ديال les altitudes l'axe des z le plan horizontal à هو au zéro. donc ici c'est h de même ici la même chose donc ZG, G. l'altitude, il y a H. On a un autre plan horizontal, on a un H sur 2, et C, G. Donc on dit 2K, on a un Haul, on a Frakbin, l'état de référence. Donc prenons l'état de référence, il y a l'EPP ici qui s'annule, le plan horizontal qui représente la surface de la Terre. Au bout de le deuxième exemple, on a de EPP est nul pour H sur 2. Donc, l'axe axe est de Y, le 0, et l'axe de Z. Donc, on va fait une chose à partir de les deux exemples euh, la constante C ou l'énergie potentielle. Donc, en général, l'énergie potentielle est égale à M -G z plus une constante C. Donc, on a un EPP en Z quelconque. La même chose ici. Dans l'émergence intercommunale la relation Z est égale à MGZ plus C. Donc, il le cas. Il a EPP pour Z est égale à 0. 0. Pour Z, 0. Pour 0. EPP de 0. EPP de 0 est égal à 0. à l'état de référence. On a l'état de référence. Donc, EPP de 0 est égal à 0. Alors, on va faire de la relation. Donc, EPP de 0 est égal, je donne à Z 0, 0 plus C, c'est-à-dire, est égal, EPP de 0 est égal à 0, donc C est égal à 0. L'art de la constante est nulle. En général, l'énergie potentielle est égal à 0 pour Z est égal à 0, toujours la constante est nulle. Donc, dans ce cas, EPP, la loi, le cas le plus simple, est égal mgz M, G, Z sans constante. Pour le deuxième cas, là, EPP est égal à 0 pour Z est égal à H sur 2. Donc, pour Z est égal à H sur 2, parce que l'état de référence est non. Le plan, l'état de référence. Donc, Z est égal à H sur 2. Donc, EPP H sur 2 est nul. On a l'expression. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur H sur 2 est égale. On a l'expression MGH sur 2 plus la constante. Chaque qu'on a EPP H sur 2, c'est 0. Donc, je mets C0. Donc, j'obtiens C qui est égal moins MGH sur 2. Voilà la constante C. Donc finalement, EPP en Z quelconque est égal à MG Z plus la constante lième moins MGH sur 2. Donc je peux factoriser Fadluka. EPPZ est égal à M G Z moins H sur 2. Voilà l'expression d'énergie potentielle de la l'ardocaïne. Une petite différence, il y a la constante C. On peut conclure que, conclusion, conclusion, l'énergie potentielle de pesanteur dépend de l'état de référence. Une autre remarque, une autre conclusion, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur peut être négative. Donc, est une valeur est une valeur algébrique. Je prends un autre exemple. Exemple le cas de le plan incliné. Exemple numéro 2. Donc Renardo, un ardeau un plan horizontal. demain un plan incliné. barre de l'angle. Alpha. Voilà. On a un objet S qui roule à l'aide, le plan incliné. Donc, on a l'objet S. On a A. On a B. L'axe des Z, on a un tabou, qui est vertical toujours. L'axe des Z. Voilà. Tout l'état de référence E. P, P est égal à zéro. fait le plan, le plan horizontal. Pour un, le plan horizontal, un, EPP est égal à d'un E P zéro, plan horizontal. Donc on a au l'origine des z, l'axe des z. Donc à quoi est égal EPP le cas. À quoi égal EPP, le solide S dont dans une position z quelconque. On a égal m g z plus une constante C. Puisque pour Z est égal à 0, on a Z est 0, EPP, EPP, Z 0, est égal à 0, et on a l'état de référence, ici c'est l'état de référence. L'état de référence, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, on a un app 0, donc EPP de 0 est égal à je donne un Z de la valeur 0, donc 0 plus C est égal à 0. Alors, quand c est égal à 0, je vais vous dire que pour l'état de référence pour Z est égal à 0, alors toujours la constante est nulle. Donc, EPP, EPP en Z quelconque, est égal à MGZ. Maintenant, la question qui se pose sur les exercices quel est l'état, l'énergie potentiel le point A donc quand on dit le EPP en A est égal m g on a l'énergie potentielle la relation elle est mg m g on a redonné z B, z A donc pour calculer z A voilà z A, et il, y a il donc est égal h il y a de la distance l'hauteur triangle rectangle le combien on a h avec Z A est égal à H est égal à B sinus de alpha. Donc, l'énergie potentielle en A est égale à M G A B sinus alpha. Voilà l'expression de l'énergie potentielle en A. Là, le point il est situé en haut de l'état de référence. Donc, l'énergie potentielle de en A est positive. Et pour l'énergie potentielle en B, EPP en B et EPP en B, c'est simple, c'est directement est égal à 0 Joules. Pourquoi 0 L'énergie B appartient au plan euh, qui représente l'état de référence. Alors, bien entendu, EPP est égal à 0 pour le plan horizontal. Exemple numéro 3. Exemple 3, on a même exemple. Je change seulement l'état de référence. Donc, a un plan horizontal qui passe par A. Voilà. Ouais, en fait, le plan, à la tableau, OVNA, l'énergie potentielle nul pour Z est égal à ZA. L'état de référence EPP est égal à 0. C'est le plan représente l'état de référence. Dans ce cas, l'énergie. Potentiel EPP en Z quelconque est égal à M G Z. La même définition toujours, plus une constante à déterminer par l'état de référence. Donc pour C, pour déterminer C, on a un Tableau Z de A. Voilà Z de A est égal à H. EPP s'annule le plan qui passe par A. Donc Adna EPP de Z de A est égal. À 0 Donc on a autofa de l'expression. Donc EPP de ZA est égal à M G je donne à Z de la valeur ZA plus la constante C est égal à 0. Donc, donc C est égal moins mg z de a. Voilà c'est maintenant c'est fait de calculer z de a donc pour z de a dans sinus on a sinus de alpha de l'angle est égal z de a h sur a b donc z de a est égal à b fois sinus sinus de alpha voilà z de a donc la constante c donc c est égal moins mg a b sinus de alpha voilà la constante finalement epp epp en z quelconque est égal mgz plus la constante donc finalement donc epp en z quelconque est égal à m Gz plus la constante, c'est-à-dire moins mg ab sinus sinus de alpha. On peut factoriser par mg, donc, mg facteur de z, moins ab sinus de alpha. Voilà Epp en z quelconque. En général, on peut écrire aussi, en général, on peut écrire que Epp en z quelconque est égal à mg facteur de z moins z de référence. Z euh, dièle le plan, les den EPP est égal à 0. Donc ici plus z de a. Enfin c'est moins z de référence, c'est-à-dire moins z de a. Donc si nous demandons de calculer l'énergie potentielle de en A, c'est. 0. Si on veut calculer l'énergie potentielle maintenant en B, donc il suffit de donner à Z la valeur ZB. Donc, EPP, EPP en A est égal à 0. Et EPP en B, c'est-à-dire en ZB, est égal à égal MG ZB moins M. GA, sinus de alpha. Or, zb, zbc 0, donc, donc, epp, donc, epp, l'énergie potentielle de pesanteur en b est égale, on a l'expression dans 0, t moins mg a b sinus alpha ici, c'est a b l'expression, l'énergie potentielle elle est inférieure à zéro. Donc, l'énergie potentielle, dans ce cas, en B est inférieure à zéro. Lorsque euh, l'état de référence PP est à 0 pour le plan qui passe par A, ou quand il y a BZB inférieur à ZA, donc automatiquement l'énergie potentielle qui en bas sera inférieure à 0.